vol inaugural réussi pour le 737 MAX, le nouvel avion de ligne de Boeing. C'était ce vendredi à l'aéroport de Seattle aux États-Unis. Son fabricant a diffusé la vidéo de l'appareil décollant à fortiori d'une piste humide. Le 737 MAX est la dernière version de Boeing. L'appareil se veut le concurrent direct de l'A32 Neo d'Airbus. Boeing annonce les livraisons des premiers exemplaires de son nouvel appareil dans une année, c'est-à-dire en 2017. Le constructeur qui porte beaucoup d'espoir sur l'appareil revendique déjà environ 3000 commandes fermes reçues, dit-il, fin 2015.